Voilà. Ça enregistre ces conneries. On n'a pas ce type d'article à vendre. Vous vous trompez de boutique ici. C'est pas la République. On est au 36 rue de l'Hôtel de Villarine. Philippe Stocker, trialiste, informaticien. Et au RSA, demande d'emploi au RSA. Et alors, dernière nouvelle. Ma référente RSA, elle. Ils m'ont refusé le dernier projet, ils me l'ont envoyé, donc j'ai marqué que je cherche activement de l'emploi, ça je peux le prouver. Puisqu'il y a une madame Haït du pôle emploi, du pôle entreprise Haute-Pierre, qui m'a appelé avec son 06 pour me dire qu'elle n'a jamais vu autant de réactivité. Forcément, j'ai un MUA, My User Agent, sur mon téléphone portable, avec une adresse courriel spécifique au truc important, c'est-à-dire que ça va biper comme un texto, comme un SMS quand je reçois des propositions d'emploi. Et donc, quand j'ai eu, c'était pour Noroto, cette proposition, forcément ça bip, tac, tac, j'ai mon CV dans le cloud, j'envoie tout ça, et puis 10 minutes après, elle annonce ce CV, tout ça, et puis elle appelle, elle a jamais vu ça. Donc, alors, que justement, ma référente RSA, ça m'a été refusé, enfin, je vais encore le toucher, pour la raison suivante, parce que j'ai marqué « chercher activement de l'emploi », et ensuite, en deuxième, en deuxième truc, j'ai mis faire comprendre à nos concitoyens les dangers qu'il y a de la corruption en France. Ça m'a été refusé, objectif non quantifiable, ou non vérifiable, ou non quantifiable, un truc comme ça. Alors si je vous disais la liste de... Parce que donc, un texto est une preuve juridique, et donc j'envoie à beaucoup de gens, en mettant toujours stop SMS pour pas qu'ensuite quelqu'un me dise je les harcèle. La chanson de Dutronc, Merde in France, caca poum, savez-vous planquer les sous, et puis alors la dernière qui est sublime, on n'a pas ce type d'article avant, vous vous trompez. De boutique, ici, c'est pas la République. Ah, ça c'est puissant, c'est Madame l'existence de Jacques Dutronc. Alors, ma référente RSA, donc je ne vais pas la nommer, même si elle a dit qu'elle pouvait le faire, que je pouvais le faire et qu'elle s'en fout. De toute façon, j'ai demandé, j'ai fait un courrier au président Frédéric Biry, que je salue dans la deuxième vidéo, que je vais donc nommer dans la vidéo YouTube. Donc, quand quelqu'un fera des recherches de Frédéric Biry, automatiquement, comme il est nommé dans la vidéo YouTube, ça va apparaître que, je vous demande quand même, qu'est-ce que vous faites dans ma situation ? J'ai 58 ans, en situation de surendettement parce que victime des pseudo-experts. Et alors ma référente, elle émet des doutes quant à ma santé mentale. Alors pas plus tard que hier, j'étais 10 minutes en conversation avec un expert agréé, et pas n'importe lequel, lui je peux le nommer, il n'y a pas de souci, il m'a levé ma curatelle en 2015, j'ai discuté avec lui pendant 10 minutes. Docteur Vincent Fondin du centre Pinel de Strasbourg, à qui j'ai fait une vidéo privée sur Vimeo pour lui exposer les projets que j'ai avec la nouvelle maire de Strasbourg, Jeanne Barzéguian, que je salue, pour créer une auto-école sociale. Voilà. Alors, ma référente, si vraiment j'avais... parce que je devrais chanter la Marseillaise. Et alors, visiblement, ça ne leur a pas plu. Comme chante Renaud, ma chanson n'aura pas plus, n'en parlons plus.
Je suis retourné à ma guitare et à mon dictionnaire de rythme. J'ai fait une chanson très tard. D'ailleurs, c'est ce que j'ai chanté à la fin. Au docteur à son fronton, que je salue. Ben voilà, on est jeudi, le 15 septembre de l'année 2020. Il est 22h10. J'ai envoyé cette vidéo sur YouTube. Journée chargée aujourd'hui. Resto du cœur à Hirstein, où c'est vachement sympa. Ils m'ont filé alors, plein de bouffe. Et alors, surtout, ce qui me reste, c'est 20 centimes en espèces. 0,16 centimes sur un compte dont je ne donnerai pas le nom. Et puis. 24 centimes sur des cartons Scotch qu'on alimente. Voilà. Donc j'ai essayé à gauche à droite de demander un petit peu si quelqu'un pouvait me prêter 20 euros. Ouais, je vais te rappeler, oui, je te rappelle ce soir. Écoute, là ça va pas, j'ai pas le temps. Des trucs comme ça. Écoutez-moi bien, la jeunesse. Charles Gave, un économiste, dit que Ford n'arrive plus à vendre ses voitures. Ford a inventé des voitures qui filent à crédit et que vous payez au bout de 24 mois. Mais ils peuvent couper à distance si vous ne payez pas la mensualité. C'est Charles Gave qui dit ça. Il part du principe que vous êtes devenu tellement addict à la voiture qu'au bout de 2 ans, vous seriez prêt à tuer votre mère pour arriver à payer une mensualité. C'est quand même une information qui est sympathique. Hein. Charles Gave qui dit aussi que l'Allemagne, les machines-outils et tout ça, les voitures à la place de le vendre, c'est des machines outils à la graisse et tout ça. Ils auraient mieux fait de les foutre dans la mer au nord de Strasbourg, de Hambourg, puisque de toute façon ils seront jamais payés. Voilà, puisque la graisse, tout le monde sait, ça va plus. Hein. Et alors surtout, moi. J'ai 58 ans, je suis à 4 années de la retraite, je retraiterai probablement le minimum vieillesse. Mais vous qui avez 40 ans, vous êtes en train de bosser, hein, qui avez 18 ans de moins, 40, 45, 35 ans, mais je peux vous dire d'avance, la retraite, vous ne la touchez jamais. C'est une pyramide, pour l'instant vous payez pour ceux qui y sont, mais quand ce sera vos tours, il y aura eu le bank crack. The bank crack comme en 1929 quand ils allaient chercher avec des dollars du pain. On verra qui a raison. Hein, Gabriel Lejail. Oui, je pense que je peux te nommer. Hein, le Marshall Rosenberg, on passe une partie de sa vie à vouloir avoir raison. Alors, je ne vais pas forcément avoir raison, puisque ce que je fais là, je fais comme Michel Onfray, le philosophe, je fais que répéter, je fais du copier-coller, je répète ce que j'ai vu. Et après, par rapport à ce que j'ai vu, je fais ma synthèse, mon analyse, qui est, on va dire, pas très positive. Cela dit, comme dit Dieudonné, que les médias assassinent, que les lobbies assassinent, qu'on dit antisémite et tout ça, si vraiment Dieudonné était un antisémite, il ne se serait jamais mis à faire des sketchs avec Élise et moi. Donc aujourd'hui, je pense que le personnage Dieudonné est provocateur pour se faire connaître, et il est pour un juste équilibre ni richesse. Il dit que c'est pas normal, et moi je dis la même chose, qu'on ait quelque part des gens qui soient mais alors plein aux as, pétés thunes, alors pétés thunes, et des mecs comme moi, qui avec 450 000 km d'auto-école et 20 000 heures, me retrouve au RSA, et avec le aujourd'hui on est le 15 du mois, j'ai plus un radis, me retrouve à devoir vendre des poules de Noël sur le bon coin, et des conneries comme ça. Faut arrêter. Monsieur le Président, je vais vous faire une bafouille que je pense au déserteur de la chanson du déserteur. Les gamins et les gamines, lemessage.org, Étienne Chouard. Sinon, si on ne reprend pas le pouvoir,
avec Étienne Chouard et qui propose « Vous aurez jamais votre retraite. Ni vous, ni vos enfants. Parce qu'on va tout droit dans le mur. » Bah alors, dans un mur en béton armé. Ça va, j'ai un horoscope. Et ça, c'est que je n'ai pas un horoscope, j'ai une tête de bois. Oh yo. Ah, on a un bagou. Ça va mieux. Il était beau, mon légionnaire. Tan, 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 tan. Ah, c'est bon, ça a pris 10 minutes 41.